la prière en hébreu pour les hébraïsants, en transcription phonétique et également en français, pour savoir qu'est-ce que l'on va dire. Donc moi, je ferai les prières et en hébreu, d'accord? Je chanterai en hébreu. Il y a une chose que j'enlèverai à ma bénédiction, c'est le mot... moi je peux le garder, excusez-moi. Pour les hébraïsants, vous allez voir qu'il y a une toute petite différence, c'est important, c'est que ce document-là, il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Normalement, il est le nom de Dieu dans la bénédiction, mais là, on l'a enlevé pour faire en sorte que vous puissiez repartir avec vos livrets chacun et que vous puissiez l'utiliser comme vous le souhaitez. Il se trouve que quand on a quelque chose qui a le nom de Dieu sur un document, on n'a pas le droit de le jeter dans la poubelle. Pourquoi? Parce que s'il y a le nom de Dieu dessus, on le met dans un trou qui va être, qui s'appelle la grisa, qui est ouvert dans un cimetière et les choses vont être détruites par la nature. Ici, il peut arriver une tache de café, n'importe quoi, on ne sait pas ce qui peut se passer avec ces papiers-là, alors on a juste modifié une lettre à chaque fois qui ne marque pas le nom de Dieu. Mais moi, je vais le prononcer.